Alors, je m'appelle Marine Mispeler, je suis artiste. Je travaille beaucoup sur le langage, sur les systèmes de communication, sur l'écriture, la lecture en tant que geste premier. Et du coup, avec les enfants, pour le workshop au FRAC Île-de-France, j'ai travaillé sur tout un tas de systèmes d'écriture, de systèmes graphiques qui sont entre du coup, l'écriture et le dessin. Et donc c'est des écritures qui datent de l'invention de l'écriture à aujourd'hui, ce qu'on appelle la typographie. Et voilà, comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'on écrit, quelle est l'utilisation du corps, l'importance du support, de l'outil, etc. Alors c'est vrai que j'accepte assez facilement les workshops qu'on peut me proposer parce que c'est assez intéressant de voir, surtout pour un jeune public, ils voient les choses complètement pas de la même façon, ils n'ont pas le regard formaté de par l'école, de par tout ce qu'on peut leur apprendre. C'est un regard encore qui est assez vierge et du coup qui peut aussi voir mon travail différemment. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que les questions qu'ils posent, la façon dont ils associent les choses entre elles, sont vraiment différentes qu'un regard d'adulte. Alors, je crois que pas tous les artistes du tout sont capables de faire des ateliers d'enfants, des workshops en général, parce que c'est vraiment, c'est pas du tout le métier d'un artiste. Ça peut en faire partie, mais c'est pas son métier. Son métier, c'est de transmettre, ça c'est sûr. Mais à travers un atelier, on n'est pas tous aptes à pouvoir faire ça. Voilà, ce qui est sûr, c'est que transmettre, faire découvrir, aiguiser la curiosité, ça devrait faire partie du métier d'artiste. Toujours penser au public, mais après, voilà, mener des ateliers, c'est quelque chose quand même d'assez spécifique. Un métier d'artiste, c'est intéressant parce qu'il peut faire des ponts avec son travail artistique, créatif, déjà qu'il fait. Un médiateur, pour moi, j'ai l'impression que le médiateur, il transmet, il ne crée pas forcément des formes. Donc, ça peut être intéressant aussi avec un médiateur, de par la transmission. Mais un artiste, peut-être que c'est plus intéressant pour des enfants parce qu'il y a une partie plus créative. Ou... Technique aussi. Technique, ouais. Oui, ouais. Thank you.